Donc, je m'appelle Nicolas Cruau, je suis le président de Néolith, qui est une start-up industrielle qui œuvre dans la transformation des déchets non recyclables. En gros, nous, on a inventé un procédé qu'on appelait la fossilisation des déchets, qui permet d'arrêter d'enfouir et d'incinérer nos poubelles. Et donc, notre procédé à nous, il permet de transformer les déchets non recyclables, donc la poubelle ménagère par exemple, en des cailloux, donc des granulats minéraux, qui sont ensuite réutilisables dans la construction, pour faire des bétons, pour faire des routes. Gros intérêt, c'est surtout d'arrêter l'enfouissement et l'incinération des poubelles. Et pour donner un ordre de grandeur, si on fossilisait tous les déchets français, les 40 millions de tonnes de déchets qu'on produit chaque année en France, on réduirait d'à peu près 10% l'impact carbone français. Donc c'est un vrai vecteur de décarbonation de l'économie, à coût constant par rapport à ce qui se fait actuellement, et donc en train d'être déployé de façon industrielle.